Bonjour, comme promis, donc aujourd'hui on va faire une démonstration visuelle d'un blockchain. Et comme j'ai dans ma vidéo précédente, j'avais fait une brève introduction sur les blockchains. Donc aujourd'hui, je vais faire une démonstration visuelle pour vous permettre de visualiser un peu de quoi il s'agit. Donc pour cela, je vais prendre un code qui vient de Anders Brownworth. Donc il a mis à disposition sur GitHub un code qui permet de faire une démonstration sur une page web. Donc très facile à faire. Et puis il n'y a rien de technique. Donc c'est juste l'aspect, donc le concept et c'est quoi le principe d'un blockchain. Donc pour ça, c'est sur GitHub, donc vous pouvez aller github.com, Anders94, blockchain-démo. Donc je vais commencer par zéro pour ceux qui ont envie de reprendre la même chose et puis jouer avec. Donc ils vont voir quelles sont les étapes pour pouvoir aller avoir la démonstration. Donc là, il y a deux façons. Donc la première, c'est comme quand vous avez Node.js installé sur votre ordinateur, donc vous pouvez utiliser un npm install et puis un npm start. Si vous avez un Docker, donc un container, donc vous pouvez faire downloader l'image et puis monter dans un container sur votre poste. Donc si vous avez Docker installé sur votre poste, vous pouvez avoir ça, donc c'est plus clean, donc il n'y a rien à installer sur votre poste, ça va être juste un container qui va être créé. Donc voilà, donc pour ce faire, moi je vais prendre le code, je vais prendre l'option Node.js. Je vais copier ça et ensuite je vais ouvrir mon PowerShell. Ok, là je vais aller sur mon workspace d'abord. Ensuite je vais prendre le code ici. Ensuite je vais faire un git clone. Voilà, donc là, ça va cloner le projet sur mon ordinateur local. Donc, il est là, donc je vais aller dessus. Et là, maintenant, je fais un npm install qui va permettre d'installer toutes les dépendances qui viennent avec le projet. Et voilà, il a fini. Donc là, je fais un npm start, ce qui va démarrer le projet. Et normalement, voilà, donc là, ça doit être accessible directement à partir de mon localhost. Très bien. Voilà. Donc là, j'ai le projet est disponible maintenant à partir de mon poste directement. Donc, un point que je voulais souligner aussi, c'est qu'au niveau des blockchains, donc des chaînes de blocs, tous les projets de crypto-monnaie, la majeure partie sont disponibles. Donc, sont tous des projets ouverts, disponibles sur GitHub, que vous pouvez aller forker ou bien copier et voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, là, tout un chacun peut aller voir le code et puis auditer le code, jouer avec le code ou bien faire tout ce que vous voulez avec le code. Donc, tous les projets, la majeure partie des projets, parce que 99% des projets sont ouverts à tout le monde, chacun peut accéder au code et travailler sur le code si ça vous tente. Il y en a seulement quelques qui sont un peu des projets fermés comme IBM et puis qui travaillent sur des projets qui sont fermés, mais la majeure partie des restes des projets sont ouverts. Donc voilà, donc un blockchain, donc il y a plusieurs éléments. Donc l'élément, il y a le hash, il y a le bloc, il y a la chaîne de blocs et il y a la distribution de ces chaînes-là. Bon, dans ma vidéo, j'ai parlé un peu de l'intégrité, c'est-à-dire que ce n'était pas possible de modifier une information une fois ajoutée sur un bloc. Et pour cela, on a le hash. Donc à ne pas confondre avec le hash table, qui est une structure de données. Donc le hash, par rapport à la cryptographie, quand vous cryptez une information, c'est de l'information confidentielle et seules les personnes autorisées peuvent voir l'information en décryptant cette information. Donc ça, c'est avec un cryptage, avec une paire de clés. Le hash, lui, ne cache pas l'information, mais il veut juste que l'information reste authentique. Donc tout le monde peut voir l'information, mais que cette information, le hash permet de valider que ça vient d'une source fiable. Donc ça veut dire que la personne qui a dit qu'il a fait cette lettre ou bien ce texte ou n'importe quoi avec une clé,
cette clé va permettre de voir, c'est comme une empreinte digitale, que c'est vraiment cette personne qui a écrit cette lettre-là. Et pour ce faire, il y a le hash. Par exemple, si je prends n'importe quelle information, donc je prends l'information, j'ai un hash key, je mets dans fonction de hash, après il va me sortir la même information, rien de modifié, mais avec comme une signature qui est ça, qu'on appelle ça le hash. Donc si je prends ce texte-là, et je mettais ça dans le hash, donc là ça me génère une clé. Donc ça c'est comme l'empreinte digitale de ce que je viens de fournir. Maintenant, si je modifie une seule chose sur ce texte, par exemple, j'enlève le point, vous voyez que automatiquement tout le hash a changé. Donc, ce qui permet de dire, ah, cette information n'est pas, il y a quelque chose qui a changé dans l'information par rapport à la signature que j'ai reçue. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ceci permet de valider l'intégrité de l'information et vous allez voir c'est quoi l'utilité dans un bloc. Ici, on a un simple bloc. Donc, c'est très simplifié pour la démonstration. Donc, on a un numéro de bloc, on a un nonce, on a data, donc la partie donnée, et on a un hash. Donc, dans la partie donnée, c'est là où on va trouver donc, les transactions. Donc, toutes les transactions vont être regroupées ici et puis, ensuite validées. Donc, quand on parle de monnaie digitale en tant que telle, ce n'est pas palpable, c'est juste une inscription dans un registre. Donc, j'ai parlé de registre distribué dans ma première vidéo. Donc, c'est un registre distribué où il y a toutes les transactions, donc toutes les écritures qui ont eu sur le réseau. Donc, c'est comme un grand livre comptable. On a toutes les écritures comptables dans ce grand livre-là. Donc, par rapport à un vrai bloc, par exemple, ici, on va aller sur le Blockchain Explorer de Bitcoin. Donc, on regarde, par exemple, le dernier bloc qui a été créé il y a 8 000. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'informations donc par rapport au bloc. Et ensuite, on a toutes les transactions qui se sont passées sur ce bloc-là. Donc, dans un bloc, on peut retrouver presque 3 500 transactions. Donc, vous voyez un peu chaque bloc, combien de transactions on est capable de valider. Donc, ensuite, bon, vous voyez, donc, il y a le hash dont je parlais tantôt. Donc, il y a les frais de transaction. Et là, on a les adresses. Donc, on va plus en parler plus tard par rapport aux adresses donc, et aux paires de clés. Donc ici, le bloc est validé. Il n'y a aucune information. Le bloc est validé. Donc, on a un hash qui commence par 4 0. Donc, dans ce cas présent, on dit que pour ce bloc-là, il faut que le hash commence par 4 0 pour que ça soit valide. Et ces 4 0-là, il y a un lien avec le nonce. Donc, le nonce permet de calculer un peu, dépendamment de la difficulté, pour avoir ces 4 zéros-là. Donc, si je change quelque chose, par exemple, je fais transaction 1, transaction 2, automatiquement, ça devient rouge et puis le bloc n'est plus valide. Pour ce faire, donc, comme je disais qu'il y a les nœuds qui valident les transactions, donc, il faut que ces nœuds-là prennent les transactions et les valident et acceptent le bloc. Et en faisant ça, donc, je fais min. Donc, vous voyez, ça prend du temps. Et automatiquement, ça recommence avec les 4 zéros. Et là, on peut dire que le bloc est valide quand ça redevient vert. Donc, comme vous avez vu, ça a pris quelques secondes pour pouvoir valider juste ces deux transactions-là. Donc, imaginez ce que ça pourrait être sur un blockchain réel. Mais cette lenteur-là n'est pas un problème d'équipement ou bien un problème de ressources. C'est fait exprès. Parce que si tout le monde crée des blocs en même temps, donc ça crée un chaos sur comment la chaîne va évoluer. Donc, c'est fait exprès que ça soit lent. Par exemple, quand on prend le réseau de Bitcoin, donc à peu près à toutes les 10 minutes, un bloc peut être validé. Et cela, il y a la difficulté qui est en corrélation avec le hash rate. Donc, le hash rate, c'est comme la puissance de calcul. Par exemple, si je pars ici, on peut voir ici. Donc, ça, c'est un peu, donc, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a un calcul qui se fait entre la puissance de calcul réelle et la difficulté pour pouvoir arriver à un bloc à toutes les 10 minutes. Donc, quand le hash rate augmente, la difficulté augmente. Quand le hash rate descend, la difficulté descend. Donc, on peut voir ça ici. Donc, ça, c'est la corrélation qu'on a actuellement. Donc, ça, c'est le hash rate. Donc, actuellement, on est à 111 EH par seconde et la difficulté est à 14,78 trillions. Donc, vous voyez un peu. Donc, je vais vous donner une idée de quoi il s'agit. Par exemple, si on regarde ici, donc 1 EH, et c'est comme un quintillion. Donc, ça veut dire que la puissance de calcul actuelle du réseau de
Bitcoin est capable de calculer un quintillion de hash par seconde. Ça veut dire un milliard de hash par seconde. C'est pour ça que la difficulté est à un trillion actuellement, donc 1000 milliards. Donc vous voyez un peu, à chaque fois, ça monte, ça descend, juste pour regarder cette création à toutes les 10 minutes. J'avais dit que les réseaux distribués sont contrôlés par un ensemble d'ordinateurs, donc un ensemble de nœuds. Donc, si vous avez envie de voir à quoi ressemblerait un nœud sur le réseau de Bitcoin, donc ça, c'est un nœud, donc un mineur, donc un validateur de transactions dans le réseau de Bitcoin. Et ça, c'est pas comme des ordinateurs, comme des ordinateurs de maison qu'on a chez nous, mais c'est plus des ordinateurs spécialisés dans le calcul. Donc, ça, on appelle ça des Antminer. Donc, ils sont vraiment faits pour calculer. Donc, d'où vous voyez la puissance de calcul qu'il y a dans le réseau de Bitcoin. Donc, ensuite de ça, donc, on a le bloc. Donc, voici comment les blocs sont chaînés. Donc, tantôt, donc, un bloc, on va mettre un ensemble d'informations. Par exemple, on met transaction 1, transaction 2, transaction 3. Donc là, on a trois transactions. Donc ça, on dirait que c'est le premier bloc. Donc le premier bloc ne pointe sur aucun autre bloc. Donc c'est le Genesis bloc. Donc c'est comme la genèse. Et on valide ce bloc-là. Okay. On va, dès que le bloc est validé, donc ça devient vert, et automatiquement, le nœud qui a réussi à valider le bloc va faire deux choses. Il va envoyer une confirmation au niveau des transactions qui se trouvaient sur ce bloc-là, et il va envoyer le hash qui a été créé pour ce bloc. Donc automatiquement, un autre groupe de transactions est distribué. Donc, okay, transaction 4, transaction 5, transaction 6. Et lui aussi, il va faire minage. Hop, il a réussi à miner. Donc, ce qui s'est passé actuellement, il a pris le hash du bloc précédent, il pointe dessus, ensuite, il crée son propre hash. Donc, la même chose va se passer, il va envoyer une confirmation des transactions et il va envoyer son hash. Donc, le prochain bloc va faire pareil. Donc, on va faire transaction 7, transaction 8. Et on va faire miner. Et la même chose. Donc, tout le temps, on a la décision que normalement, la règle est que chaque hash block commence par 4-0. Donc, on a les 4-0 partout. Donc, chaque hash commence par 4-0. Donc, ça, c'est respecté. Et ensuite de ça, chaque bloc pointe sur le bloc précédent. Donc, ce qui permet que chaque bloc est chaîné avec son précédent. Donc, c'est ça qui crée la chaîne de blocs. Là, tous les blocs sont validés. Est vert. Donc là où le hash est important, c'est quand je touche à une transaction sur un bloc. Donc là, ça crée un effet domino parce que en touchant à ce bloc-là, je change le hash de ce bloc, ce qui va changer toute l'information donc des blocs suivants. Donc ce qui invalide en quelque sorte toute l'information stockée dans les blocs suivants. Donc ce qui crée un problème. Donc pour que ça redevienne normal, il faut que je remine encore ce bloc-là. Et tous les blocs qui vont suivre. Donc, imagine dans un réseau où il y a presque 600 000 blocs. Donc, refaire tout ce travail-là, comment ça consomme de l'énergie et de l'argent? Parce que chaque action, en quelque sorte, coûte des frais de transaction dans un blockchain. Si la chaîne est distribuée, toute modification sur une chaîne doit se répercuter sur toutes les chaînes. Donc, ce qui veut dire que quand un bloc est validé, il n'y a personne qui s'aventure à essayer de le modifier parce que c'est presque impossible de le faire. Ok, donc là, quand on parle de monnaie digitale, dans ce cas présent, donc il y a un ensemble de décisions qui sont faites au niveau du Genesis Block, donc le bloc de Genesis. C'est-à-dire, on décide de combien de tokens vont exister pour cette monnaie. Et puis, il y a un contrat, quels sont les critères, donc quelles sont les contraintes, quelles sont les politiques qui vont être appliquées à cette monnaie-là. Donc ça va être inscrit dans le bloc Genesis. Et par exemple, dans le cas de la démonstration, on dit, OK, Anders, le créateur, a 100 dollars. Donc, tout le monde sait comme Anders a 100 dollars. Donc, quand Anders essaie de faire une transaction, on vient regarder sur le registre, on dit, ah oui, Anders a réellement 100 dollars sur le registre. Enfin, maintenant, si Emily essaie de faire une transaction,
Donc, ça ne va pas être validé parce que le bloc n'arrive pas à avoir une inscription qui dit qu'Emily a de l'argent. Donc, la transaction va être rejetée. Maintenant, on passe au deuxième bloc. Donc, là, Angus a fait un ensemble de transactions. Il a envoyé de l'argent à Sophia, à Lucas, à Emily et à Madison. Donc, là, on confirme le bloc et on ferme. Maintenant, si Emily essaie d'envoyer de l'argent à Jackson, on voit dans le bloc précédent que Emily a effectivement reçu 15 dollars. Donc, Emily peut faire une transaction de 10 dollars. Donc, c'est accepté et c'est validé. Donc, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que les crypto-monnaies, ce n'est pas vraiment qu'on a de l'argent, mais ce qu'on a, c'est une paire de clés qui permet de valider nos transactions et de recevoir aussi des transactions. On en reparlera un peu quand on parlerait des monnaies de porte-monnaie digitale. Mais c'est en quelque chose, c'est ça. Donc, c'est un registre et toutes les transactions sont inscrites sur ce registre-là et c'est distribué. Donc, ça veut dire que vous voyez que c'est la même chose sur tous les trois nœuds. Donc, là, on a trois paires. Paire A, paire B et paire C. Et toutes les transactions sont comme identiques partout. Quand quelqu'un valide un bloc, c'est-à-dire un ensemble de transactions, il distribue ça à tous les nœuds qui vont l'ajouter à la copie de la chaîne qu'ils ont. Donc c'est ça qui fait que c'est une chaîne de blocs qui est distribuée. Donc voici les chaînes de blocs. Chaque transaction est inscrite sur un bloc et ça forme une chaîne. Et chaque chaîne est distribuée à l'ensemble des nœuds. Et là, on a trois paires. Donc, chacun a une copie exacte. À chaque fois qu'un nouveau bloc est validé, ça va être, les trois vont le recevoir et vont accepter ça et vont l'ajouter. Et chaque bloc est fermé avec son hash. Par exemple, ici, si je décide, OK, Emily, au lieu de 5 dollars, bon, je vais modifier un peu la transaction, je vais faire 6 dollars. Automatiquement, ça va faire que le bloc n'est plus valide. Donc ça devient rouge, le hash n'est plus valide. Et puis ça va faire, le réseau va dire, hey, il y a quelque chose qui se passe avec tel nœud. Le nœud A a des transactions qui ne sont pas validées dans les autres nœuds. Qu'est-ce qu'on fait du nœud A? On dit, OK, c'est une tentative de fraude, on se débarrasse de ce nœud-là. Donc ça, c'est un peu la sécurité qu'il y a au niveau des blockchains. Donc vous voyez les blockchains, donc ce n'est pas une technologie très compliquée, mais la beauté est que c'est très transparent et distribué. Est très sécuritaire. Donc ça veut dire que tout le monde a accès à la même information en même temps et personne ne peut modifier cette information-là. Personne n'a le contrôle, le monopole sur le réseau. Parce que tout le monde voit le réseau en même temps, donc personne ne peut unilatéralement prendre une décision sans que les autres soient au courant. Et puis, le but, c'est de ne pas pouvoir changer quelque chose. Tout ce qui est dans le passé est dans le passé, donc les changements vont seulement affecter dans le futur. Donc il n'y a pas de fraude possible. Donc sous toutes ces transactions qui est déjà validée et passée, il n'y a pas possibilité de modifier. Donc voici, c'est une brève introduction visuelle de ce c'était quoi les blockchains. Donc comme je l'ai fait au début, donc vous pouvez faire la même chose, aller jouer un peu après. Et je vais faire aussi une démonstration qui va un peu entrer dans le code, entre très simple dans blockchain. Donc, ceux qui sont un peu développeurs pour voir un peu c'est quoi la structure de données en tant que telle, comment on peut le faire en Python ou bien en JavaScript. Et après aussi, je vais faire une autre démonstration sur comment aller prendre une copie d'un code déjà existant. Par exemple, je pourrais prendre Multichain qui est un fork de Bitcoin. Et puis, comment mettre ça sur votre poste local ou bien comment mettre ça sur Amazon pour pouvoir jouer avec aussi. Donc, merci d'avoir suivi et puis j'espère que ça a été très instructif.